Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 81. 81, waouh! Comment ça devient encore mieux que ça? Quelle possibilité plus grande que vous recherchez-vous? J'étais en train de discuter avec Miles ce matin et c'était, on parlait de possibilités, d'accès. Et c'était... Êtes-vous à la recherche de quelque chose? Et souvent, on a tendance à vouloir rechercher ceci à l'extérieur de nous. Et en même temps, j'ai le goût ici... Bonjour Christine! J'ai le goût ici de vous amener à une réflexion, à quelque chose d'autre. Voilà, à une piste différente. Non pas que c'est mal de rechercher à l'extérieur de soi, c'est pas ça. Et en même temps, d'ajouter ceci dans votre questionnement de votre vie. Ah, quelle possibilité, recherchez-vous une possibilité plus grande que la vie que vous êtes? Alors, nous sommes un être infini, et nous fonctionnons à partir de l'expansion, nous fonctionnons à partir de l'aisance, et là je parle vraiment au niveau de l'énergie, nous fonctionnons à partir de la légèreté, lorsqu'on se permet de choisir qui nous sommes vraiment. Et c'est vraiment ici, c'est là où est-ce que je veux vous amener ce matin, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous savez possible? Et quand je dis « vous savez possible », ça va venir vous chercher dans vos tripes. Ça va venir vous chercher dans ce qui est vrai pour vous. Mais en même temps, qui n'existe pas, soit dans votre vie, ou qui n'existe pas sur la planète. Et peut-être que lorsque je vous pose cette question, il y a quelque chose qui monte, et que vous dites, vous l'écartez, vous le rejetez, vous le reniez, non, c'est pas possible, non. Ou vous allez dans la conclusion, non, ce serait trop d'efforts, non, je sais pas par où commencer, voilà. Et en même temps, ici, c'était justement en reconnaissant ceci chez vous. Bonjour Suno! Et c'était vraiment en reconnaissant ceci chez vous, en reconnaissant ceci. La première chose, c'est reconnaître, hein? Au lieu de réagir ou de résister à ceci, ici c'était de reconnaître. Qu'est-ce que vous savez comme possibilité plus grande pour vous-même dans votre vie? Et si c'était justement de créer ceci, même si vous ne savez pas comment. Et comment est-ce qu'on fait ceci? L'outil magique, poser des questions à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse créer ceci? Parce que si ça vous habite, si c'est là en vous, c'est pas pour rien. Si c'est là, et si ça vous habite et ça revient de temps en temps, et ce genre de choses-là, c'est pas nécessairement une urgence. Il y aura pas, ça va être une légèreté qui va être là en place. Une possibilité, c'est une légèreté, ça va être léger. Une possibilité, il y aura jamais de « tu dois faire ça », mais ça va souvent être juste... comme une plume qui vous touche, qui vous effleure la peau. Et c'est vraiment ici de sortir de la polarité de cette réalité pour justement se permettre de choisir, commencer à choisir les énergies de possibilités ici. Donc, c'est ce que je vous invite ce matin, de vous ouvrir à ce qui vous habite, à ce que vous savez possible, qui créerait plus d'aisance dans votre vie, qui créerait plus de liberté, qui créerait plus d'espace, qui créerait plus d'expansion, qui créerait plus de légèreté. Et si c'était ici d'être dans la question, quelle énergie, espace et conscience puis-je être ici pour faire en sorte que je puisse me vivre à partir de cette possibilité-là. Et si, justement, si on était à la recherche de quelque chose, c'était quelque chose qui était plus grand que nous. Si c'était quelque chose qui était... et tout ce que ça fait remonter, et par tout ce que vous tentez de vous maintenir dans une zone de confort,
Allez-vous te détruire et décrire ceci maintenant, fois un duzillion. Right and wrong, about pop, pop, all nine shorts, pause and beyond. Et si justement pour vous ouvrir à une plus grande possibilité, fallait choisir le mot magique ici, choisir, en tout cas, ou du moins commencer à choisir ou à s'ouvrir à l'idée que, waouh, c'est pas dans le confort que je suis maintenant que je vais pouvoir me permettre de créer ce qui est vrai pour moi. Hein? C'est vraiment ici. Et il y a ce mensonge dans cette réalité au niveau de... Il y a ce mensonge dans cette réalité qui nous maintient à... Voilà, qui nous maintient à vouloir nous maintenir dans un confort. Choisir et oser. Oui, oui, c'est ça, Magalia. C'est vraiment choisir et oser. Et choisir et oser. Et ici, voilà. Et c'est de le faire. On peut le faire en posant des questions. C'est pas juste de le faire les yeux fermés. C'est vraiment de le faire. OK, si je choisis ceci maintenant, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et quand vous posez ces questions, c'est de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça va créer en choisissant ceci. Et même si vous ne savez pas quoi choisir, mais juste le fait de choisir et de vous ouvrir dans l'énergie à ceci, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive les prises de conscience ici qui me permettraient, voilà, de passer à la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui est requis ici? Voilà, c'est le genre de questions que je vous invite à vous poser pour commencer à recevoir les énergies, commencer à recevoir les prises de conscience qui vont vous amener à une vie qui a, voilà, qui vibre, une vie qui, justement, ressemble à ce que vous savez possible. Ah, et si ça commençait par nous? Et si ça commençait par nous et le fait de choisir, le fait de commencer à poser des questions? Ou posez-vous des questions tout en vous gardant en retrait de cette possibilité? Ou si vous êtes vraiment présent et présente à cette possibilité? Et de vous... Je vous invite vraiment au niveau de l'énergie de vous... de créer quelle serait ma vie avec cette énergie. Et permettez-vous de recevoir ce que ça créerait dans votre vie. Parce que quand vous commencez à être dans cette énergie, quand vous vous permettez d'être en présence de cette énergie, vous commencez à vibrer à autre chose. Et le fait de commencer à vibrer à autre chose, vous allez appeler vers vous des énergies différentes. C'est la magie de l'univers. Et c'est la magie que vous êtes également. Plus vous allez vous permettre de... Plus vous allez vous permettre de choisir ce qui est vrai pour vous, de choisir, bonjour Jalila, plus que vous allez vous permettre de choisir ce qui est vrai, même si ça n'existe pas encore, hein, parce que ce qui est vrai pour nous, très souvent, ça n'existe pas dans cette réalité. Et on tente. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on tente d'aller voir chez les autres et de demander l'avis des autres pour savoir par rapport à ceci, est-ce que c'est... qu'est-ce que tu penses de ça et tout? Et pour les autres personnes, c'est pas vrai pour eux. Et ça va pas être vrai non plus pour eux. C'est vraiment à nous d'honorer ceci, où je vous invite vraiment à vous retourner vers des gens qui vont pouvoir vous accueillir là-dedans, qui vont pouvoir vous permettre ceci, qui vont vous valider dans ce que vous savez possible pour vous. Au lieu d'avoir des gens qui vont soit continuer de vous invalider. Voilà. Bonjour, Caroline. Donc, c'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite ce matin. Quelle est cette possibilité ou ces possibilités que vous savez possible, voilà, et que vous savez possible et que vous n'avez pas, soit que vous n'avez pas fait confiance ou vous n'avez pas reconnu que c'était une possibilité pour vous, mais qui est là dans votre énergie. Bonjour Camille, Caroline, ah oui Caroline. Oui, OK, cool. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je vous invite ce matin à vous poser comme question. Et le but de la question, c'est souvent de recevoir des prises de conscience. Non pas d'essayer de trouver avec votre mental, ne pas aller dans votre tête, mais plutôt de vous permettre de poser la question pour mieux recevoir la prise de conscience de tout ceci. Voilà, c'est ce que j'avais goût de vous partager ce matin. Bonne journée à vous tous et à la prochaine.
la prochaine. Bye bye.